Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer comment réaliser un fermoir coulissant en paracorde pour le bracelet Cobra ou King Cobra. Donc, pour ce faire, je vais prendre un bracelet que je suis en train de réaliser, que j'ai presque fini. Vous voyez, j'ai pas encore brûlé les extrémités. Voilà. À la fin, bon, vous le passez autour de votre poignet, vous venez mettre en place le nœud dans la boucle. En fait, le petit fermoir que nous allons réaliser va venir sur cette partie-là, sur la boucle, il coulissera et viendra bloquer complètement le nœud, de façon à ce que le bracelet ne bouge pas du tout de votre poignet. Voilà. Donc on prend une chute, donc un bracelet, une chute, il me restait une chute que j'ai coupée, je la double. Voilà, repère bien le milieu du cordon. Voilà. Je prends la boucle, je viens passer mon morceau de paracorde derrière la boucle et je fais le tressage classique du cobra. Donc je fais mon S, je tiens l'ensemble. Comme d'habitude, premier nœud toujours un peu plus délicat à faire. Je vais le mettre en place pour le début. Je serre. Attention, plus on serre, plus le fermoir va avoir du mal à coulisser, hein. Donc il faut trouver le juste milieu. Voilà. Donc je continue mon tressage. Je dois pouvoir faire à peu près 3 boucles. Je passe dedans. Je repasse. J'ai fait une petite bêtise. Vous voyez, même quand on a l'habitude, on fait des erreurs, c'est bien de les faire en direct sur la caméra, ça vous évitera de les refaire pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Bon, faudra avoir les petits doigts, ça serait mieux. Voilà. Je fais glisser. J'ai encore la place de faire une maille. C'est parti. Voilà. Fermoir est fait. Classique à la fin, hein. On coupe les deux extrémités. On brûle. C'est fait. Regardez. Voilà, je le mets bien en place. Je viens passer le nœud dans la boucle. Vous voyez, comme ceci. Et là, je le fais coulisser. Et voilà. Et ça coulisse. Ça ne bouge plus. On monte sur un autre que j'ai déjà fait. Voilà, vous voyez. Voilà. Tout simple. Mais c'est bien pratique. Là, on est sûr que le bracelet est sécurisé à 100%. Ça risque pas de bouger. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Sur ce, je vous dis bonne balade, bonne rando, à bientôt. Salut!